Rebonjour, chers auditeurs. Nous sommes de retour de la pause. Comme ça avait été annoncé en début d'émission, nous avons le plaisir de recevoir notre collaborateur, José. José Bouillon. Bonjour, José. Bonjour les amis, ben écoutez, toujours un plaisir de faire une émission de radio avec vous les amis. Good, écoute, comme on a parlé, je pense, tu avais parlé avec Yvon, le sujet, le but d'intervention avec toi là, aujourd'hui, ça va être de parler sur les genres de, mettons séquelles là, peut-être, ou qu'est-ce qui peut avoir arrivé à des gens qui ont eu des interactions avec des ovnis, ou des abductés, ou des contactés. On sait dans la littérature qu'il y en a plusieurs qui ont développé soit des choses positives ou des choses négatives. Je pense qu'on a tout chacun des cas sur lesquels on a travaillé. Alors, de ton côté, José, je pense que tu avais deux cas, tu parlais, dont tu as fait mention sur ta page Facebook. Alors, je te laisse la parole. Oui, ben merci Gilles. Alors oui, c'est vrai que... J'allais dire, le mois d'août a été très très riche pour moi en cas ufologique. Et c'est vrai que j'en ai eu quatre vraiment, vraiment intéressants, donc sur ma page Facebook, comme tu le soulignes. Et sur les quatre, j'en ai vraiment deux où c'est vraiment justement par rapport au thème de l'émission aujourd'hui, c'est-à-dire on est vraiment dans de l'abduction négative pour les deux derniers. Et donc j'avais partagé, je crois que Yvon avait vu ça, sur ma page, une photo d'ailleurs, plusieurs photos d'une femme justement donc qui avait été justement abductée et on voit bien d'ailleurs sur ces photos des espèces de longues griffes, des longs doigts, trois doigts avec des grandes griffes qui lui rentrent dans la peau, dans la chair, hein. C'est ça Yvon? Oui, c'est en plein ça. Oui. C'est quand? Je suis sûr que c'est sûrement pas positif là. Non, c'est trois doigts, wow. Puis on voit à un moment donné, c'est comme des griffes qu'elle est comme c'est griffé la personne. Ouais. C'est une femme, je me trompe pas, hein. C'est une femme, une femme d'un certain âge, une cinquantaine d'années, je crois, de souvenirs. Et c'est vrai que, bon, alors, c'est pas le but de l'émission. Non, je ne vais pas parler de ce cas-là que je n'ai pas encore étudié. C'est tout frais, donc je préfère attendre encore un peu. Mais c'est vrai que là on est encore dans une abduction négative, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est intéressant de le dire, parce que je pense qu'on va pouvoir en parler tous les quatre ce soir, aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'on va parler des contactés, on va parler... des abductés, parce qu'il y a quand même des différences à faire, hein. J'entends donc des contactés abductés, des personnes, des expérienceurs aussi, on peut appeler ça, et des personnes ravies. Je pourrais dire, moi, personnellement, dans mon ufologie, que je les classe par quatre catégories. Et donc, c'est quatre catégories différentes, avec des histoires différentes, mais quand même avec des concordances. Alors, positif et négatif, le débat est ouvert, les amis. Super. C'est bon. Super. De notre côté, C'était un été tranquille, ce côté-là. Là. On n'a pas eu... on a eu dans le passé des cas vraiment assez lourds où ce que des gens ont vécu probablement les quatre options que tu parles. Puis certains là-dedans, je pense au cas de... les jeunes... Ça dépend. Comme les jeunes... Oui, le cas de la tuque, exactement. Ils étaient jeunes, hein? Donc ils n'ont pas eu de conséquences comme ça. Tout à fait, mais quand, si on parle au cas de Mirabel, par contre, c'est une autre histoire. Oui, là, effectivement. Okay, excuse-moi, vas-y, José. Non, je vous écoute, hein, le débat est lancé, les amis, on est là pour ça d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai que ce qui est bien avec ce genre de débat, c'est que en étant tous les quatre enquêteurs de terrain, on va pouvoir quand même partager nos expériences aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent. D'ailleurs, ils sont là pour ça, ils sont en demande. Et c'est important aussi de souligner les choses. Alors, c'est vrai que je suis attendu de mon côté dans le sens où abduction négative, puisque moi, au bout de 31 ans, j'ai étudié ça de toute ma vie. Donc, je pense pouvoir en parler modestement. Mais alors, le côté positif, je ne vais pas mentir, hein, parce qu'on n'est pas là pour mentir aux gens, et surtout pas. C'est vrai que j'en ai eu quelques-uns, mais c'est vrai que quand on étudie et qu'on va vraiment en profondeur dans le sujet, est-ce que c'est vraiment si positif que ça, hein? Je soulève encore un lièvre, là, pour le coup. Oui, tu touches un bon point, parce que ils peuvent, je prends un exemple, là, je dis n'importe quoi, mais quand même, là, les gens qui se disent enlevés, abductés, les extraterrestres, les entités, en fin de compte, peuvent leur avoir donné une fausse impression de positivisme quand, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est de quelque chose qui serait beaucoup plus négatif
J'ai un peu de la misère à expliquer. Comprenez-vous ce que je veux dire, les gars? Pas tout, hein? Ça va très, très bien, mesdames et messieurs. Ça va très, très bien. C'est dans ta tête. Non, mais c'est que il y a des cas où ce que les entités ont implanté des éléments qui, pour le témoin, seraient positifs. Mais en réalité, non, ça ne l'est pas. Ben, d'après parce moi, que par la suite, qu'est-ce qui ressort par la suite, c'est que tu vois que ces gens-là, au tout début, sont ravis, sont contents. Mais par la suite, ils ne veulent plus. Là. Ils ne veulent plus rien savoir de ça. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent dans leur vie que c'est rendu une histoire d'horreur. Ils ne savaient plus dormir la nuit. Ben, au début, c'était pas ça. Là. Non. On ne sait pas qu'est-ce qui... Bah oui, alors peut-être qu'après, avec le temps, comme tu dis, Gilles, ça peut sûrement changer, évidemment. Mais quand même, excusez-moi les amis, mais quand même, je vais être obligé de ressortir un petit peu de ma tanière, parce que là, quand j'entends ça, je veux bien, moi, il n'y a aucun souci. Le problème, il n'est pas là. D'abord, il y a un problème, et je l'avais déjà dit, je crois, plusieurs fois au cours de nos anciennes émissions, hein, il me semble. Alors, à tort ou à raison, vous en faites ce que vous voulez, mais enfin, quand même, je vais quand même le répéter. On ne vous demande pas votre avis. On parle d'abduction positive ou négative. On ne vous demande pas votre avis. Donc, moi, dès l'instant, on ne demande pas mon avis. Je prends ça pour du négatif. Parce que, c'est-à-dire que le libre arbitre n'existe pas. On est sous contrôle. Donc, déjà, ça commence mal pour moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec cette pensée-là. C'est un enlèvement. Un enlèvement sans avoir l'autorisation de qui que ce soit. Mais il y a aussi des côtés, Yvon, des interactions aussi sans nécessairement avoir été enlevé. Hein. Excusez-moi. Ben oui, j'ai fait des recherches là-dessus, moi. J'ai trouvé trois dossiers qui parlent des guérisons extraterrestres. Regarde, comme le 3 septembre 1965 au Texas, il y a deux policiers, Robert Gordy et Bill McCoy, sur l'autoroute 36 au sud de Diamond. Bon, ces gars-là, à un moment donné, ils sont sur l'autoroute, ils voient des lumières au loin dans le ciel. À un moment donné, le conducteur du véhicule, le policier, il se met sur le bas-côté. Puis là, on y voit arriver les lumières proches de deux autres. Là, le vaisseau, c'est une grandeur environ d'un terrain de football. C'est grand, un terrain de football, c'est 330 pieds par 195 pieds en mètres. Là, je ne sais pas exactement, je n'ai pas calculé. Ben, c'est 110 mètres à peu près. Puis le véhicule, il est couvert d'un rayon de lumière. Okay. Puis là-dedans, là... Il y en a un aussi, c'est comment il s'appelle? Gordy, lui, m'a amené quelques jours avant, il a été mordu par un bébé alligator à la main. Puis il y a des blessures qui le font extrêmement souffrir, puis tout ça. Puis quand ils ont vu ça, eux autres, ils ont parti, ils sont en allés d'une ville plus proche d'où ce qui était, pour justement pour se calmer, voir l'observation qu'il avait faite là. Puis les Gordy, lui, qui s'est fait blesser à la main, maintenant, il n'y avait plus de douleur pantoute. Il n'y avait plus rien. Il a enlevé son bandage. Il n'y avait aucune marque de l'incident qui avait arrivé. Là. Fait que ça, c'en est un cas de guérison. Mais là. Il a su quoi? Il y a eu un faisceau ou quelque chose? Autrement dit, c'est l'OVNI au-dessus du véhicule. Les autres, ils ont reçu une lumière sur le véhicule. OK. Puis, quelques temps plus tard, m'emmener disons peut-être 15 minutes, une demi-heure après, il avait mal aux doigts parce qu'il s'avait fait mordre par un bébé alligator. Puis là, il n'y avait plus de douleur pendant tout. Quand il a enlevé son bandage, il s'est aperçu qu'il n'y avait aucune marque. Fait que on peut expliquer ça comme un cas de guérison, de positive. Là. Y a-tu un missing time? Non, ils n'ont pas de missing time, rien de ça. C'est arrivé comme ça. C'est un vaisseau qui s'est approché d'eux autres. Ils ont-tu envoyé exactement une lumière sur le véhicule? Selon eux autres, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont envoyé une lumière sur le véhicule. Puis le gars, de sa blessure, il avait plus mal, puis ça... C'était tout guéri. Aucune marque de dents sur les doigts. Là. Tout était réglé, l'affaire. Ah. J'en ai un autre aussi, en 1968, dans les Alpes françaises. Oh. C'est le dossier du docteur X, qui l'appelle docteur X, parce que probablement la personne ne voulait pas se faire nommer. Ouais. Lui, il souffrait d'une paralysie partielle. Là, il voit un ovni en forme de disque au sommet de l'ovni, il est blanc, puis en dessous, il est rouge. Puis, avec des puissances de flash intervalles réguliers. Le lendemain de cette rencontre rapprochée, le docteur ne souffre plus de paralysie et ne boite plus. Oh! Oui. J'en ai un autre qui est arrivé au Québec le 30 août 1979 au Québec. Jean Cyr, un officier à la retraite de l'armée canadienne, qui souffre de sclérose en plaques.
entendit un curieux bourdonnement à l'extérieur de la maison, il sort pour voir qu'est-ce qui se passe, puis il voit un grand disque métallique brillant qui mettait des flashs de lumière encore une fois, comme les deux autres, là. Puis fut détecté par, ça fut détecté par la tour de contrôle de l'aéroport de Montréal. Ah oui? Ils ont détecté qu'il y avait eu un OVNI dans ce coin-là. Après la rencontre, M. C, il constata des curieuses marques sur son corps, dont l'origine est inexpliquée, là. Puis, un peu plus tard, incroyable, il est guéri de la sclérose en plaques. Wow! C'est une maladie qui se guérit. C'est trois cas donné, que j'ai venu à bout de j'ai cherché, que j'ai trouvé. Mais ça serait dans la... Catégorie positif. Oui. Positif, ouais. Là. Puis, il dit même, on est dans qu'est-ce que j'ai regardé, mais il y en a même aussi qui avaient le cancer. Le cancer a été guéri. Oui. Des blessures, il n'y a plus rien qui apparaît. Puis... C'est comme les Medbed. Oui. Les Medbed là, qui s'en viennent bientôt, là, dans 2023, c'est par champ magnétique que ça te auto-guérit de cancer, de sclérose en plaques. Donc, c'est peut-être les champs électromagnétiques sont à bonne fréquence, parce que c'est ça, le Medbed. C'est, c'est comme la radiothérapie pour ceux qui ont des cancers, là, ouais. qui peuvent guérir avec ça. Eux autres, c'est peut-être le rayon donné du vaisseau. Qui dégage une puissance qui vient à bout de guérir la personne qui est blessée ou qui a un problème de santé. Là. Okay. Ça, ce sont des manifestations physiques, mais les manifestations psychiques, les impacts psychiques, comme José parle, le fait que c'est un enlèvement, c'est traumatisant. Exactement. Ça, je suis bien d'accord avec toi, parce qu'il y en a plusieurs. Là. Parce qu'on parle de qui? Non, mais pardon, parce qu'on parle de... J'entends ce que dit Yvon, évidemment, comme vous trois. Hein. Et c'est vrai qu'Yvon, tu as raison de le souligner, évidemment. On ne peut pas se voiler la face et dire que ça n'existe pas, puisque le côté positif existe. Par contre, j'aurais quand même trois ou quatre choses à dire là-dedans. Hein, parce que la première, c'est que finalement, là, donc tu dis, par rapport au cas, et d'ailleurs le cas en France de M. X, que je connais bien, évidemment, hein, puisqu'il fait partie des classiques de l'hypothèse française. Bon. Et c'est vrai que dans ces trois cas-là, il faut comprendre une chose, c'est que. Finalement, est-ce qu'on sait ce qui est devenu par la suite ces gens-là ou est-ce qu'on sait ce qu'ils étaient devenus avant, c'est-à-dire avant d'avoir eu le contact, vous voyez ? Parce que pour moi, c'est important, ça. C'est pas juste de dire « j'ai vu un ovni et il m'a guéri », il faut comprendre les antécédents de la personne ou à la suite de ça, qu'est-ce qu'il y a eu ? Parce que moi, je trouve que dans mon ufologie, et pardon, mais c'est vrai, il y a toujours un intérêt pour ces gens-là. Je l'ai toujours dit et je le dirai toute ma vie. Ils ne font jamais les choses par hasard. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et en plus, et combien même ils auraient guéri ces gens, et apparemment ils les ont guéris, j'imagine que dans tes recherches, Yvon, tu as dû galérer, hein, franchement, entre nous, parce que c'est un cas sur un million à chaque fois, le positif. Il faut dire la vérité, allez, chercher les cas positifs sur Internet ou ailleurs, n'importe où, il n'y en a pratiquement pas. Non, c'est en plein ça. J'ai cherché longtemps pour trouver ces trois dossiers-là, là. J'ai vraiment, vraiment cherché des heures pour voir, m'emmener les guérisons extraterrestres, des choses comme ça. Puis il n'y en a pas à la tonne, là. C'est vraiment minime, là. Moi, c'est des cas, que j'ai trouvé qui avaient du... comme du bon sens, autrement dit, là. Mais comme c'est vrai, qu'est-ce que José dit? Moi, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé, mais j'ai pas le pédigré de la personne avant. Est-ce que c'est vrai qu'elle était comme ça? Puis, tu sais, on le sait pas, là. Mais il y a un fait qui est quand même qui est bien documenté. C'est certains victimes d'enlèvement se seraient transformés, et mettons un exemple là, qui arrive un peu plus souvent, disons, leur pensée environnementale, ça aurait beaucoup, beaucoup augmenté. S'ils sont beaucoup plus près des choses de la nature, beaucoup plus détachées, pardon, des choses matérielles. T'sais, ça, si on peut prendre ça côté positif, peut-être, oui, mais quel est le pourcentage, comme on dit tantôt, la même chose? D'après moi, il doit être très faible. Très faible, tu sais. Moi, personnellement, j'en ai pas connu. Les cas qu'on a eus au Québec, ils ont tous été négatifs. Oui. Sauf celui de Mirabel. Non, bien, il y a bien ça. Ça, au début, si c'est négatif. Oui, il y a bien ça. Bien, elle ne veut plus en entendre parler, là. Oh! Parce qu'il y a une chose qui est... elle refuse... Bien, regarde, c'est qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé réellement. On n'était pas là. Mais qu'est-ce qu'elle raconte quand elle est sur la table, puis lui insère une tige
dans le vagin, puis en fin de compte, ils se sont essayés à plusieurs reprises d'être enceinte. J'ai déjà raconté l'histoire. Et après tout ça, elle tombe enceinte. Oui. Le petit garçon, il est plus intelligent que la moyenne, en fin de compte. C'est sûr que pour elle, c'est un élément positif. Oui. Mais elle ne veut pas du tout savoir le fait que c'est eux qui ont implanté. Ah! Qu'elle s'est faite inséminer par des extraterrestres, oui. Le supposé. Oui, elle veut rien savoir de ça. Puis elle veut. Je te jure, j'étais tellement longtemps avec eux, souvent, avec son mari. Lui, c'était clair. Gilles, il dit. Parle pas de ça, d'idée. Je dis non, on fait pas ça non plus, là. On n'implante pas des informations. Mais c'était vraiment clair que c'était fini. Puis quand elle nous a contactés, elle m'a contacté pour nous demander de retirer le cas, même s'il n'y avait pas de nom, tout ça. Par contre, ils sont venus à l'AQU, ils sont venus faire parler deux cas. Mais quand elle me dit que. Parce qu'elle avait un sac dans la tête, là. Qu'est-ce que son petit garçon va un jour, si ça sort plus, qu'est-ce qu'il va penser de tout ça? Oui. C'est le côté positif d'avoir. On ne sait pas si c'est vraiment l'intervention qui s'intéresse qui fait en sorte qu'elle tombe enceinte. On n'a aucune idée. C'est un hasard. Peut-être. Mais le fait, c'est que. Elle, qui aurait pu être un élément positif, a été changé en élément négatif. C'est bien. D'un côté, c'est positif, parce qu'à un moment donné, ça faisait plusieurs années qu'il essayait d'avoir un enfant, puis il n'était pas capable. Exact. Là, il arrive l'événement qui s'est produit. Oui. Qui était traumatisant. Oui. Puis quelques temps plus tard, mais elle devient enceinte. Oui. Puis très tôt, pas longtemps après d'être enceinte. Ben, ouais. C'est ça. Y a-tu vraiment un lien avec cette chose-là, ou ben donc la nature, elle a fait son chemin, puis. Ça a donné comme ça, parce que moi, une de mes sœurs, mon âge, s'est essayée beaucoup longtemps. Puis ça a marché. Puis à un moment donné, ils ont comme lâché prise. Puis quelques mois après, bang, elle a tombé enceinte, là. Exact. Mais le fait, en tout cas, c'est sûr que. On ne sait pas. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, José? José? Oui, je suis là. On va couper. Mais alors, j'ai un retour quand je parle, mais c'est pas grave. OK. Alors, c'est ça, c'est un événement positif peut vraiment, vraiment facilement devenir négatif avec des enlèvements. Alors, dans ce que vous avez dit, là, si vous voulez, vous avez dit chacun un mot, toi, et en fait, pour moi, c'était un petit peu mélangé. Attention, c'est pas péjoratif, hein, ce que je suis en train de dire. Mais vous avez soulevé plein de questions, mais on n'y a pas répondu, finalement. Parce qu'il y a un moment donné... où tu disais, toi Gilles, je crois, hein, c'est toi Gilles qui l'a dit, tu parlais, par exemple, ceux qui sont contactés, abutés, ont un désir profond après de faire corps avec la nature. Hein, c'est ce que tu disais, je crois, c'est toi Gilles qui l'a dit. Oui. Voilà. Ensuite, je crois que c'est André qui disait que par rapport à l'observation justement d'un ovni, il pourrait y avoir justement des ondes qui pourraient être positives ou négatives. Et d'ailleurs, par la suite, on verra que ça va être possible de soigner des maladies. Ça, j'ai écouté ça. On est d'accord. D'accord. Absolument. Voilà. Ensuite, on a abordé avec votre cas, là, de l'hybridation infantile, ce que j'appelle moi les femmes fécondes. Bon, bref. Et donc, alors, je vais essayer de revenir pas sur les trois parce que, voilà, j'ai pas la prétention, mais j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Et là, si vous voulez, c'est vraiment des questions intéressantes dans ce qu'on est en train de parler. Mais il faut pas trop déborder parce que il faut comprendre une chose, là. On peut pas dire à un moment donné, ils ont vécu ça et ça et parler de psyché par la suite parce que il faut comprendre qu'il y a des effets, je dirais, corporels, ce que j'appelle moi les marques corporelles, on est bien d'accord, comme j'ai parlé tout à l'heure avec cette femme par rapport aux trois doigts qui lui rentrent dans les cuisses, hein, dans les jambes, bref. Mm-hmm. Et la psyché par la suite. C'est deux choses différentes. Exact. Parce que on peut subir des marques et puis on peut le prendre bien, comme on peut subir rien du tout et on peut le prendre mal quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Voilà. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est que, alors, je vais essayer de répondre à la première, en fait. C'est-à-dire que, finalement, ces gens-là subissent, je dirais, quelque chose normalement. Il faut comprendre un truc. Là. Les gens nous écoutent et il y a des gens qui ont vécu des expériences, donc ont vu des ovnis ou ont été plus loin pour eux, malheureusement ou heureusement pour eux, j'allais dire, chacun, c'est personnel. Mais c'est vrai que, au final, on a toujours été élevé depuis tout petit, à part quelques-uns, à se dire que les ovnis, les extraterrestres et compagnie, les entités exogènes, ça n'existe pas. On est bien d'accord. On est bercé par les médias H24, on nous dit ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et le jour, hein, un soir, une nuit où on est confronté à ça et on le voit de visu, et on sait très bien là, du coup, là, c'est un choc
un choc post-traumatique. Et là, ça agit sur la psyché. Moi, je le dis, parce que de se dire, élevé, peu importe l'âge qu'on a, et de se dire, ça n'existe pas. Et là, on se rend compte de la réalité du phénomène. Ouais. Ça apporte, moi, c'est ce que je dis, hein, la différence. Parce que, si vous voulez, il y a un truc tendancieux dans l'histoire. Hein. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est-à-dire que, pour moi, il ne faut pas croire que quand on vit ce genre d'expérience, positive ou négative, il ne faut pas croire que c'est ces entités qui nous ont laissé une graine et qui va germer par la suite. Ce n'est pas ça l'histoire. C'est-à-dire, la vraie histoire pour moi, on en fait ce qu'on en veut, c'est la mienne en tout cas, c'est-à-dire que par rapport justement à un choc, un Hiroshima psychologique, oui. Mais d'accord, eh bien tous les humains sont amenés à déclencher, j'allais dire, des dons, ou à ouvrir des portes qui sont dans notre subconscient et qu'on a ouvert par la suite. C'est grâce à ça, parce qu'à se dire, ça n'existe pas. Et donc, dans notre subconscient, eh bien, finalement, ça ouvre toutes les portes qui, soi-disant, n'existaient pas non plus. Et c'est toujours toutes les mêmes pour les humains. Oui. Si je comprends bien, là, tu parles de l'auto-guérison que l'être humain peut faire lui-même. C'est ce que je dis, c'est-à-dire que le pouvoir de la pensée, le pouvoir du cerveau humain, de la psyché, est beaucoup plus important qu'on voudrait bien le croire. Absolument. On est capable de s'auto-guérir, de s'auto-médicamenter, on est capable de beaucoup de choses, hein, en vérité. Oui, tout à fait d'accord. Je vous en dire, l'événement, le déclencheur serait l'OVNI qui déclenche à la personne, elle met de se guérir. Alors, c'est pas forcément l'OVNI, parce qu'on est ufologue et on a envie de parler d'extraterrestres, c'est vrai, mais c'est pas forcément ça. Vous pouvez avoir ça peut se déclencher par autre chose. Tu peux voir un fantôme, tu peux voir quelque chose passer dans un cimetière, et ça va te déclencher à te dire ça existe. Et le fait de se dire que ça existe, c'est comme accepter, mettons, Dieu dans sa vie et te dire, là, finalement, Dieu, ça existe, quelque part, quelque chose que tu n'as jamais vu ou que tu ne sais pas. Non, donc, pour moi, ça t'ouvre des portes. Mais j'insiste à dire, c'est pas les extraterrestres ou les entités en elles-mêmes qui nous laissent une graine et qui nous disent plus tard, on se dit nous plus tard parce qu'on a vécu cette expérience avec les entités, à nous dire, voilà, donc du coup maintenant je vais plutôt faire croire avec la nature, je vais respecter l'environnement, je vais avoir un sens artistique beaucoup plus développé que je n'avais avant, hein, comme tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire, ce sont des clés. Et j'ai remarqué dans mes travaux que ces clés-là, c'est toujours les mêmes. Et pourquoi j'insiste? Parce que qu'on est africain, qu'on est asiatique, qu'on est européen, qu'on est ce qu'on veut d'ailleurs, on a tous les mêmes clés. Comme c'est bizarre, hein, qu'on a tous les mêmes clés, alors que normalement, on est de cultures différentes, de religions différentes, peu importe, on ne devrait pas avoir tous les mêmes clés. Pourquoi on a tous les mêmes clés? C'est ça ma question finalement. Oui, c'est profond, mon José. Non, mais je comprends très très bien ton enfant. Je comprends très bien. Mais c'est profond. Après, c'est simple. Mais en même temps, j'essaie d'être d'accord avec ce que vous dites parce que c'est que des bonnes questions intéressantes. Ils vont nous a proposé des témoignages qui sont certes évidemment probants et qui va dire que c'est pas vrai. Personne ici, on est bien d'accord. Surtout pas nous. Mais c'est vrai que il faut quand même, si on va aller plus loin là-dedans, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs phases. Et là, on parle de psyché. D'accord. Non, on peut parler aussi, comme je disais, des marques corporelles que j'ai aussi étudiées comme vous de mon côté. Mais il y a aussi plein d'autres phases. Mais moi, ce que je trouve quand même étonnant, c'est que tout le monde pense et réagit pareil par rapport à cet effet-là. C'est trop facile de dire c'est les entités qui m'ont légué ça. D'où les entités qui vous ont légué ça? Personne n'est capable de dire réellement ça. C'est la personne dont, en elle-même qui dit ça parce qu'elle se dit putain, avant j'avais pas tous ces dons et maintenant j'ai des dons. Ça se trouve, c'est eux. Mais moi, le ça se trouve, c'est eux. Moi, ça existe, ça marche pas. C'est-à-dire qu'en ufologie, on le sait très bien, il n'y a pas de hasard. Donc moi, je ne mets pas le hasard. Non, c'est comme il y a rentré une clé qui a débarré quelque chose. Oui. C'est cette chose-là. C'est la personne elle-même qui se le... C'est comme son âme s'est élevée un peu plus haut et... Par elle-même. Oui. Oui, OK. Ouais, après, on en fait ce qu'on en veut. Hein. C'est mon idée, quelque part. Non, c'est une hypothèse, mais... Non, ça c'est donne une hypothèse de travail dans le sens où... Pardon? Ça a du sens, José. Ben, il faut rester quand même un petit peu... C'est-à-dire qu'on est ufologue, mais les gens, il faut qu'ils comprennent bien à un moment donné qu'on n'est pas plus bête qu'un autre. Hein. Bon, on n'a pas la prétention, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, ou alors il faut nous interner. Hein, à un moment... ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est quand même quelque chose d'irréel qu'on essaye de montrer, nous, hein, en tant qu'upologue, d'envoyer dans le réel. Exactement. C'est ça le but, hein, au absolument. Final. Absolument. On est d'accord. On est très... Donc, un intérêt. Oui. Hein. 100% d'accord. Un intérêt. Donc, et ben voilà. Et donc, quand on a intégré ça, nous, et tu as raison de le dire quand même, Gilles, là aussi je te reprends, parce que tu dis ça nous ferait prendre une conscience surélevée. C'est exactement ça.
Mais cette conscience qu'on a, nous, qu'on vit en interaction avec le tout et le un, là, comme tout le monde le sait très bien d'ailleurs, bon, ben, cette interaction-là, elle est en nous quelque part. On a déjà tout ça. On peut développer ces mécanismes, j'allais dire, on va les développer sûrement avec l'évolution humaine et dans le temps, hein, ça s'est vu d'ailleurs, hein, par rapport à il y a 2000 ans à maintenant, on est quand même un peu plus évolué. Alors, je ne dis pas qu'on est plus évolué et qu'on est plus intelligent, parce qu'on n'est pas plus intelligent qu'il y a 2000 ans, hein, quand on regarde bien, on est d'accord, hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est important de le dire. Et si on peut relancer le débat sur ce qu'a dit André, pardon, et là c'est intéressant aussi. Donc, dans le deuxième cas de figure, il a dit une chose importante, il a dit que justement, les ovnis peuvent envoyer des ondes, et à ce moment-là, on peut être guéri ou on peut avoir un côté néfaste. Et c'est vrai que moi, le côté néfaste, je l'ai étudié, évidemment, qu'avec les ondes là. Mais il faut prendre conscience d'une chose qui est très importante en ufologie. Alors, ce n'est pas tous les ovnis ce que je vais dire, mais c'est quand même une bonne partie. Je pense que vous en avez étudié de votre côté. C'est-à-dire que, à un moment donné, on a observé, et notamment sur ce qu'on appelle les soucoupes volantes. José, ce que tu avances là, ça me semble très intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la pause commerciale et on revient. Bien hâte d'avoir la suite. Ne bouge pas, on revient tout de suite. Bon, de retour dans la pause avec notre ami José. Alors, José, tu commençais à tenir des propos excessivement... Ben, c'est toujours des propos intéressants, mais encore plus intéressants. Vas-y, mon José, tu continues. Ben, ce qui est intéressant, ce que tu dis, vieux, c'est qu'on s'était laissé, parce que par rapport aux questions qu'on avait, enfin, vous avez soulevées tout à l'heure, on l'a soulevé ensemble, et puis, bon, et c'est vrai que je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice sur ce coup-là, parce que je voulais parler d'un type d'ovni, parce que pendant un moment, tu as dit tout à l'heure, tu as dit, je crois que c'est André qui l'a dit, finalement, il est possible que, bon, les ovnis, oui, renvoie des espèces d'ondes positives ou négatives, alors exactement, guérison par guérison, hein, voilà. Et donc c'est ça qui est intéressant, parce que j'ai découvert, c'est pas vraiment une grosse découverte, hein, je veux dire, ce que je veux dire là, on peut le vérifier sans problème, hein. Donc, mais c'est intéressant de le souligner par rapport à tout ce qui a été dit là, par rapport au positif ou au négatif, hein, par rapport au cas que Yvon a cité. Je vais prendre l'exemple des soucoupes volantes, on est bien d'accord, hein. L'exemple type, hein, ce qu'a fait d'ailleurs la renommée, et d'ailleurs maintenant notre passion puisqu'on en est là, parce qu'avec Kenneth Arnold, hein, de Romain, ouais, Régnier, il a eu soi-disant des soucoupes volantes qui ricochaient, donc il a appelé ça soucoupe volante, alors que par la suite, c'était pas des soucoupes volantes, puisqu'il a dit que c'était des espèces de boomerang. Bon, boomerang, ça n'a rien à voir, mais bon, bref. Bon, et à la limite, les soucoupes volantes qui ont été observées, moi j'ai plusieurs cas quand même, hein, qui ont été observés. Il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué, vous par exemple, par rapport à ce qu'on vient de dire, hein. C'est-à-dire que les soucoupes volantes, généralement, ils sont observés avec toujours un espèce de brouillard autour d'eux, le soir, la nuit. Oui. Vous voyez, c'est un espèce de brouillard lumineux. Oui, c'est un exact. Un espèce de brouillard lumineux. Comme s'il y avait un genre de donc, et donc, je me suis dit, mais comment que ça se fait que... Comment ça se dit que les soucoupes volantes, elles avaient le soir, la nuit, on observait alors qu'il était bleu ou vert, ou on s'en fout de la couleur, hein, à la limite, c'est pas grave. Et donc, il y avait toujours un petit brouillard, un petit halo lumineux de brume qui suivait l'ovni. Voilà. Moi-même, dans ma vie, à mes 15 ans, j'en ai vu une, moi, une soucoupe volante. Et c'est vrai qu'il y avait aussi le brouillard lumineux. D'ailleurs, c'était magnifique parce que c'était en nuit, j'étais avec un de mes oncles. Et je fumais des cigarettes et je me cachais pour pas fumer devant les parents, hein, comme ça se fait. Et puis, et donc, mon oncle me donnait des cigarettes. Et un soir, on regarde comme ça machinalement, ça devait être dans les années 90 sûrement. Et on voit passer, bah, une soucoupe volante. C'était la première fois de ma vie que je voyais une soucoupe volante. Et c'était magnifique. Ça détalait, pardon, avec le ciel, c'est-à-dire c'était en été. On voyait les étoiles. Il y avait un grand disque, pas de bruit, qui avançait comme ça, là, magnifique, argenté d'une couleur, mais vraiment pure, resplendissante. Et tout autour, il y avait un halo de brouillard bleu qui le suivait tout en avançant. Et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, mais c'est beau. Après, quand on étudie par la suite, on se dit c'est beau, mais on se dit, quand on sait ce qu'il y a dans les soucoupes volantes, on se dit finalement que c'est moins beau. Mais bon. Mais bon. Et donc, et donc ce brouillard-là, il faut comprendre une chose, là, et là je le dis maintenant, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 1000 ans, c'est-à-dire que là, quand on a ce qu'on appelle des particules d'air ionisées. Ionisées, exact. Bon. Voilà. Donc, quand un ovni, les soucoupes volantes en général, c'est souvent cela, par rapport, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça, eh bien, c'est souvent le type soucoupe volante avec le brouillard. Eh bien, quand on voit le brouillard tout autour, qui est très joli, je l'ai dit moi-même, j'ai observé, eh bien, finalement, quand on a des particules de ionisées, c'est-à-dire que si c'est dans l'air, en gros, hein, je schématise, ça veut dire qu'en fait, c'est radioactif.
L'air qui est autour de la soucoupe volante, dès l'instant où il y a de la lumière, un brouillard qui se projette autour de quelque chose, il est forcément radioactif. Ah oui? C'est un champ d'énergie. C'est un champ d'énergie qui, on va dire que c'est l'air qui est ionisé par un champ d'énergie, donc une palette, un spectre de couleurs, qui renvoie. Donc ça veut dire que l'OVNI en lui-même dégage de la radioactivité. C'est intéressant ce que je viens de dire. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Puis même, plusieurs disent que l'ionisation en avant de l'appareil lui permet d'atteindre des vitesses, de faire toutes sortes de mouvements que tu ne peux pas faire habituellement. Mais c'est ça, c'est une théorie. Là. Puis qu'il n'y a pas de Big Bang. Après, des théories, il peut en avoir plusieurs. Oui. Mais par contre, ce qui est intéressant là, scientifiquement, c'est de le dire. C'est de dire que tout ce qui est ionisé, c'est-à-dire, nous, on croit que c'est un brouillard, mais ce n'est pas un brouillard. Non, d'accord. Mais voilà, tout ce qui est ionisé autour est forcément radioactif. C'est ça le problème. Et donc, si on va aller plus loin maintenant, on peut, évidemment qu'on peut y aller plus loin. C'est-à-dire que tous les gens maintenant qui ont observé une soucoupe volante qui était posée, par exemple, au sol, et qui sont allés de très près, dans les 3 ans qui ont suivi, ils ont eu un cancer, une leucémie. Alors, ils ne sont pas tous morts, mais ils ont eu un cancer dans les 3 ans à l'approche de l'OVNI. Ça répond quand même à ce que je viens de dire, là. Oh. Oui, oui. Les cas qu'il y a eu ici au Canada, j'en parle, il y en a un qui m'échappe, là, malheureusement. Effectivement, c'est ça qui est arrivé. Puis c'est exactement une leucémie. Ça touche le sang, plus qu'autre chose. Pourquoi on ne le sait pas? Mais si on parle du coup de Travis Walton, là. Travis Walton, oui. Bon, mais regarde, lui, là, un moment donné, je l'ai vu en entrevue, qu'est-ce qu'il dit, là? Quand il est proche, il est en dessous du vaisseau, là, un moment donné, il reçoit comme une décharge, autrement dit. Quand il rentre dans le champ. Ils disent un champ magnétique, mais ça peut être. Il rentre dans une énergie. Mais lui, il perd conscience. Puis là, il l'amène dans le vaisseau. Mais après ça, lui, après son expérience, là, il dit que il lui aurait sauvé la vie parce que probablement à cause de ça. Qui était décédé là, puis ils l'ont ramené à la vie, puis ils l'ont guéri parce qu'il a reçu trop de décharge électrique ou de décharge d'énergie que l'être humain ne peut pas accepter ça. C'est sûr que ça dégage une énergie, c'est sûr, certain. Puis André, je pense à toi, là, qu'il y a du fer dans le sang. Oui. Puis quand tu as eu ton apparition à Gaspé, ça shakait dedans. Là, oui, ça me faisait des picotements partout sur le corps. Là, C'est ça, l'ionisation, ça peut faire ça. Fait que, effectivement, je pense que c'est. Écoute, le cas. Un cas qui vient en tête, qu'on aurait dû avoir un contact de Jaser parce qu'il y a eu des entités qui auraient touché des équipements, tout ça. On ne l'avait pas, on aurait pu. on nous a traité au tout début, on n'a pas d'expérience. On nous a traité comme quoi que vous êtes, entre parenthèses, innocent parce que ça aurait pu avoir de la radioactivité beaucoup. Parce que bien des endroits. Qui ont été visités par un atterrissage, mais quasiment un OVNI. Il y a eu tu pouvais, avec un compteur Geiger, tu pouvais facilement détecter la radioactivité. C'est vraiment. Je suis 100% d'accord avec ce que José expose. C'est vraiment, vraiment, vraiment d'accord. Après, on a le droit d'être pas d'accord avec moi, Gilles. Non, mais je suis d'accord avec toi, ça tombe bien. Théorique. Oui, bah, tant qu'à faire, c'est mieux, c'est vrai. Mais par contre, j'allais dire, c'est pas théorique. Enfin, c'est théorique dans le sens où c'est, on peut le prouver quand même scientifiquement, ce qui est dit là. Voyez. Alors, je ne dis pas que les ovnis, et je ne le dis pas d'ailleurs, que les ovnis ont un mode de propulsion au nucléaire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Pas du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'ils dégagent, autour d'eux et ben des particules radioactives. Oui. Radioactives, et beaucoup de témoins, pas tous, mais en meurent par la suite avec des contacts rapprochés. Et oui, il y a un côté nucléaire dans les ovnis, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça se prouve. C'est des gens, c'est ça, en fait, peut-être que tu es d'accord, José, vous verrez peut-être un peu plus précisé, c'est que s'il y a les enlevés, okay, les gens qui se disent enlevés, qui sont à l'intérieur de l'appareil, eux, non, ça arrive pas comme quoi qu'il y a eu un cancer ou quoi que ce soit, mais les autres qui s'approchent d'un ovni, qui va y toucher ou qui sont très près, tu sais, ils reçoivent quelque chose, eux autres, dans la littérature, on parle qui auraient eu des cancers et des maladies. Donc, très, très rapprochés. Oui, mais ceux à l'intérieur qui disent qu'ils sont à l'intérieur, j'en connais pas comme tel. Peut-être que José en connaît, là, mais moi, c'est plus des cas où il y a eu toucher quelque chose ou quelque chose de...
un peu à l'extérieur. Peut-être que quand ils enlèvent, ils sont protégés à l'intérieur, je sais pas. Si on parle du cas de Michalak en 1967, lui, il s'est approché de la soucoupe, puis il y a eu une décharge d'énergie, de vapeur sur lui, puis il y a eu l'estomac avec plein de comme une grille. Là. Comme une grille sur l'estomac. Quelques années plus tard, lui, c'est ça. Puis quelques années plus tard, ben, il est mort de ça, lui. Oui, ouais, parce qu'il disait qu'il y avait des radiations. Oui, c'est en plein ça. J'essaie de voir le... Oui, c'est ce fameux cas de Falcon Lake. Falcon Lake, c'est en 1967. Exactement. Alors, OK, continue, José, on t'interrompt. Non, du tout, ben, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Et puis, de toute façon, malheureusement, ça correspond un peu, j'allais dire, un petit peu quand on recherche, on se rend compte que vraiment les gens qui, abductés, contactés, ravis, expérienceurs, n'ont pas forcément, j'allais dire, de problèmes négatifs suite à une maladie, hein. On est d'accord, parce que tu disais tout de suite, Gilles, tu disais, je ne sais pas si ça se trouve, on est protégé quand on est dans la soucoupe par rapport à des ondes qui pourraient être radioactives ou non d'ailleurs, mais qui pourraient nous amener à des maladies, hein. C'est vrai, c'est ce que tu disais. Oui. Et c'est là où c'est intéressant, parce que on se dit quand même que quelque part, moi, peut-être que je peux le penser, hein, finalement, est-ce qu'on n'est pas préparé là encore, justement, parce que il y a quand même toute une procédure, il y a du matériel. Et quand on regarde bien aussi une chose encore là, peu importe l'entité par exemple qui va nous faire une abduction, on remarque souvent qu'il porte des gants en fait, des espèces de gants latex. C'est marrant ça. Oh, ok, oui. C'est vrai, parce qu'on dit toujours un petit gris, un humanoïde ou ce qu'on veut, on dit toujours il est habillé de combinaisons moulantes, il a des bottes et même, qui sont prises dans la combinaison, avec la ceinture, il y a toute la panoplie, mais il y a aussi les gants dans la panoplie. Ben, oui, c'est comme genre... Surtout quand l'entité touche un humain, comme les cas qu'on a eus, c'est froid, c'est comme... Il disait toujours, c'est comme... Oui, ça ressemble à du latex. Comme il y a comme les mains glacées, ouais. Ouais, moi, ça se peut, c'est possiblement, je sais pas, là, on spécule, mais s'il y a une certaine forme de radioactivité... Ouais, c'est... Voilà, alors après, c'est pas dans le sens là que je l'ai dit, mais dans le sens où. C'est-à-dire qu'on essaie de nous préserver des contacts. Exact. Ben, peut-être en même temps. Parce que si on prend le cas de Varginha au Brésil, par exemple, qui est connu avec la fameuse entité là, qui a été récupérée, oui. On sait très bien que, et ça je l'avais dit d'ailleurs, on l'avait dit ensemble, on sait très bien qu'il y avait c'était un pompier ou un militaire, je ne me rappelle plus d'ailleurs, qui avait touché l'entité pendant un moment. Qui l'avait touché parce qu'apparemment, elle a été récupérée hein, par l'armée brésilienne. Et ce pompier-là, d'ailleurs, il y a eu un procès, je crois, au Brésil, hein, parce que la famille, justement, a voulu... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, si vous voulez par là, la famille du défunt a demandé à voir le corps. Et le corps était dans un cercueil plombé, comme par hasard. Hein, plombé, ça nous parle un peu en matière radioactive. Oui, je connais ce cas-là, oui, c'est vrai. C'est vrai, il était plombé, la famille n'a pas pu voir le corps jusqu'à la fin, malheureusement, et donc ils ont porté plainte, et d'ailleurs la plainte suit toujours son cours, et à mon avis il n'y aura rien, mais ce qui est sûr, c'est que lui, il l'avait dit à un autre militaire ou un autre pompier, ce que je ne sais plus, il avait dit à un de ses collègues qu'il avait touché la créature, et dans les 3 jours qui ont suivi, il est mort d'une leucémie foudroyante, là encore. Je crois que c'est un militaire. Oui, c'est vrai. Je pense que oui. Peut-être un militaire, ils vont parler. Je pense que c'est un militaire qui était arrivé sur les lieux, justement, puis il avait touché justement l'entité. Puis comme que José vient de le dire, justement, il est mort d'un cancer pas longtemps après. Là. Ben voilà, et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent. Alors c'est vrai que, négatif ou positif, il y a des gens qui vont se dire, oui, on n'est pas dans un film de science-fiction, là, parce qu'il y en a sûrement qui vont penser à tort et se dire, oui, mais bon, ils vont peut-être dire, oui, peut-être que si c'est négatif, ils nous envoient un rayon et on meurt. Ben non, ça ne marche pas comme ça. On n'est pas dans un film de série B, je veux dire, il n'y a pas un rayon qui va nous toucher puis qu'on va mourir. Quoique, il y a eu 2-3 cas en Russie. Mais bon, j'allais dire, c'est vraiment mineur. Mais par contre... Ce qui est vrai, moi je le dis, ce qui est vrai, et je l'ai constaté avec mes témoins à moi, donc mes cas, c'est vrai, que j'ai constaté quand même une certaine recrudescence après des contacts quand même rapprochés et réguliers, et ben de cancer, de formes de cancer. Alors, certains cancers pour les hommes et certains cancers pour les femmes, je le dis. Mon Dieu Seigneur. Ici, non. J'essaie de me souvenir là, des cas qu'on a eus. J'ai pas eu de suite à ça.
Peut-être que ça dépend, peut-être des gens, peut-être à la longue, si ça prend... C'est ça, peut-être à une couple d'années, là. Ouais, peut-être ça prend du temps, je ne sais pas. Mais et tout dépend le contact que la personne a eu aussi, c'est ça l'important. Ouais, ouais. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors, est-ce qu'elle a eu un contact pour justement se servir d'elle et avoir besoin, j'allais dire, un peu de choses qu'elle a en elle, parce qu'il y a ça aussi, hein? Est-ce que c'est juste pour l'influencer et l'emmener plus tard à faire quelque chose? Parce qu'il y a ça aussi dans l'abduction. Absolument. Il y a plein de cas de figure. Mais l'important pour moi, l'important de savoir, c'est-à-dire que là, par exemple, vous avez un cas rapproché, une femme ou un homme, d'ailleurs, on s'en fout, qui a vu une entité de très près et qui lui arrivait ceci ou cela. Eh bien, moi, je vous invite, modestement, je vous le dis, c'est ce que j'ai fait. C'est pour en arriver à ces conclusions-là, j'ai fait une chose tout simple. J'ai étudié la personne de 3 à 5 ans par la suite et je lui ai demandé. Et de 3 à 5 ans, alors qu'elle n'avait pas de soucis. Plus que ça, j'allais dire de santé, je me rends compte que dans les 3 à 5 ans, il y a quand même un cancer qui déboule à chaque fois. Écoute, Josie, tu parles et il y a un cas qui me revient, effectivement. Je ne donne pas son nom, mais elle était chez elle dans la chambre. Puis, il est arrivé un grand éclair pour sa fenêtre. Ça, on parle de ça fait 20 ans de ça, là. Ça fait longtemps. Puis, elle avait. Hein, il coûte son café. Oui, je suis pas aux toilettes. C'est correct. Je t'envie, moi, je bois de l'eau. Alors, après un certain temps, on est allé chez elle. On pensait que c'était un transformateur qui aurait sauté. Mais non. Parce que sa mère avait été témoin aussi de des choses comme ça. Puis elle a développé. Oui, elle avait développé une maladie. Du sang, une maladie du sang. Exactement. Et par la suite, elle était longtemps malade à un point tel, et pas rien qu'aussi de maladies physiques, mais maladies psychiques, elle sortait plus du tout. Elle venait aux réunions, c'est là qu'elle est venue nous conter son histoire. C'est quelqu'un de Sainte-Rose à Laval. Elle a arrêté, elle ne pouvait plus. Premièrement, la maladie l'avait affaiblie énormément. Deuxièmement, elle avait développé une phobie des gens. De l'agarophobie. Oui, elle n'a plus vraiment. Là. On se contactait, puis là, elle est revenue. Elle est passée au travail de tout ça. Mais elle sort pas plus, là, mais elle commence tranquillement. Puis elle me trouver sur Facebook, puis elle m'a contacté. Mais c'est vrai qu'elle est tombée. Ça me rappelle d'un cas que, un moment donné, on avait parlé justement avec toi, José, là, c'est toi qui nous avais dit ça, là. Tu sais, le jeune, un moment donné, il avait une pierre dans les poches, puis il est mort d'une maladie. Effectivement. On avait une mission. Exactement. On va parvenir là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que, il a baptisé le tout premier cancer au monde, le cancer des petites cellules. Alors, vous voyez, c'est pas du tout, je l'avais expliqué déjà. Mm-hmm. Donc, quand on a un cas ufologique, comme ça, d'un contact rapproché avec justement une abduction qu'on pourrait dire quand même négative, on est d'accord. Oui. Et en plus, elle est doublement négative, puisqu'elle elle baptise un nouveau cancer et la personne en meurt. Alors là, effectivement, ça va quand même loin. Ça, Presti. Oui. Ouais. Mais par contre, en annexe, on peut parler aussi, et pas forcément aller forcément dans l'extrême, mais par exemple, moi, c'est de ce que j'ai trouvé dans mes travaux, là, justement, j'ai ressorti, pour l'émission, j'ai ressorti mon barème de classification, où justement, je note un petit peu tout ça pour arriver justement à vous dire ce que je suis en train de vous dire, hein, parce que c'est pas juste. Ça sort pas de mon chapeau, hein, je vous le dis. D'accord. Et donc, par exemple. Une chose importante, et que tu as parlé sur le cas de cette femme, là, tu disais, je crois que c'est Gilles, hein, tout de suite. Hein, oui. Ce qu'il faut comprendre aussi, donc là on parle de cancer à l'extrême, mais il y a d'autres constatations, on va dire, que j'ai faites, hein, si je la retrouve maintenant, j'ai bougé un peu mon tableau, pardon. et donc j'avais noté, alors voilà. Et donc voilà. Et donc il faut parler aussi, à côté de ça, il y a beaucoup, moi j'ai trouvé dans la majorité de mes cas, en fait, peu importe l'abduction qu'ils ont subie, j'allais dire, hein, eh bien, je parle d'ordre de problème, d'ordre dermatologique pour le reste. Oh, on t'a coupé. Même si on n'a pas un cancer, même si on n'est pas malade, même si on n'a rien de tout ça, la plupart des gens auront j'allais dire ce problème dermatologique. Chante-le. Je vais le chanter, voilà. Soit c'est de l'urticaire, soit c'est du psoriasis, soit c'est de l'eczéma, du zona, des mycoses et des herpès. Oui, c'est fréquent. Très fréquent. Très, très fréquent. Les cas qu'on a eu, José. Pour...
excuse-moi, pardon? Les cas qu'on a eu, que beaucoup de maladies de peau. Oui, beaucoup. Beaucoup d'irritation, oui, de cutanée et tout ça. Là. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment une substance, peut-être, là, très forte ou corrosive. Corrosive, oui. En tout cas, ça agit sur notre système sanguin, puisque ça agit sur notre peau. On est d'accord ? Absolument. Voilà. Puisque tout passe par le sang, au final. C'est bon. Ça. Alors, j'allais dire encore une chose, et puis, pour revenir toujours dans mon barème de classification, par exemple, là, je vous ai parlé des cancers. Donc là, je l'ai noté, hein, y a pas de souci par rapport à mes cas. Et je vais même vous le lire, comme ça va être plus probant. Regardez. Donc, apparition d'un cancer. Une majorité de femmes, alors en bonne santé physique, c'est ce que j'ai noté, hein, dans les travaux, finiront par constater avoir eu un cancer soudain dans les deux ans après leur deuxième enlèvement, qui d'ailleurs, pour à peu près 25% des cas, finiront par en mourir. Cancer du sein et de l'utérus dans la grande majorité des cas concernés que j'ai étudiés. Ah, OK, wow. Écoute, je m'en allais dire la même chose, l'utérus, certain. On spécule, on va dire n'importe quoi. Là, OK. Okay. En parenthèse, là. On sait que dans les cas d'enlèvement, quand ça concerne la femme, bien souvent, il y a des manipulations, oui, qui se font au niveau gynécologique exact. Donc, peut-être que ça a une certaine incidence sur le côté cancer. Je ne sais pas, là, on théorise. Là, okay? Oui. Donc, peut-être qu'il y aurait une... José, je pense que ça aurait un certain sens, oui, ça aurait un certain sens. Oui, pour... si vous voulez, moi je ne théorise pas, moi, parce que ce que je vous dis, moi, c'est par c'est rapport à mes constatations, par rapport à tous les cas de ces femmes-là que j'ai étudiées. Oui, c'est oui, les oui, constatations mais... que j'en ai faites par rapport aux maladies de peau et par rapport au cancer de l'utérus ou du sein. Et c'est vrai, quand on regarde de plus près, alors, positif ou négatif, moi, je veux bien qu'il y ait du positif là-dedans. Il y a des cas, d'ailleurs, Yvon l'a très bien justifié tout à l'heure, mais moi, je dis toujours une chose, il y a toujours quelque chose, il y a un intérêt là-dessous pour moi. Je veux dire, on ne fait pas ça pour rien du tout, ce n'est pas bénévole. Je veux dire, il y a toute une préparation, moi, j'imagine, pour ces gens-là. Parce que moi, quand je constate des faits comme ça, là, qu'on peut retrouver à chaque fois, et je me dis quand même que c'est préparé, que ce n'est pas fait n'importe comment, quand ils viennent, c'est bien calculé, prémédité en avance, il n'y a pas de hasard. Ah non, il n'y a pas de hasard. Entièrement d'accord. Des clés cas qu'on a, il n'y a pas de hasard. Tout est planifié. Ça dépend avec qui tu es en contact aussi. Là. Oui, mais tu as des êtres négatifs, tu as des êtres positifs, là, comme d'autres les humains sur la Terre. Là. Oui, mais Yvon, quand même, je veux dire, depuis le temps qu'on fait de l'ufologie, ouais, c'est quoi les êtres positifs pour vous? On va gagner du temps. Qu'est-ce que c'est pour vous les êtres positifs? Moi, à la limite, à part parler d'un ange ou d'un ange gardien ou d'une personne défunte qui nous vaut du bien, le reste, pardon, mais tout ce qui touche aux entités exogènes, ben pour moi, j'ai rien vu de positif. Sinon, moi, je veux bien vous ressortir mes travaux, mais ils sont là. Mais non, je ne les trouve pas. Dieu sait, si je cherche, je cherche, mais je ne les trouve pas. Non, un enlèvement demeure un enlèvement. C'est contre ta volonté. Donc, ça ne peut pas être positif. Un enlèvement, c'est un kidnapping, d'abord, pour commencer. Exact. Mais... On te kidnappe dans la nuit, en journée, peu importe, au travail, ou dans l'ascenseur, ou dans ton canapé en train de lire un bouquin. On te kidnappe, on ne te demande pas ton avis. Alors, certaines personnes vont penser, forcément, vont dire, mais quand même, ils sont quand même... l'émission, c'est positif ou négatif, et on n'entend que du négatif. Ben, moi, je veux bien donner du positif, mais en ufologie, j'y arrive pas à le trouver, je le vois pas. Et pourtant, Dieu sait si j'essaye, comme je l'ai dit depuis 31 ans, d'essayer de trouver du positif. Moi, je veux bien, moi, mais je le vois pas. Je le vois pas. Alors, certes, Yvon l'a dit tout à l'heure, mais c'est un cas sur un million. Comme la première émission qu'on a fait ensemble, Yvon, et je l'ai dit, tu te rappelles, le cas où j'avais dit que les petits-enfants jouaient sur des rails de chemin de fer et qu'ils s'étaient blessés au genou et qu'il y a une entité qui est arrivée et d'un seul coup, qu'il l'a guéri. Mm-hmm. Qu'il l'a guéri, mais si tu regardes, parce que moi j'ai regardé ce cas-là, c'est un cas en Amérique, là, et bien j'ai regardé que par la suite, je veux dire, il ne l'a pas guéri, hein, si tu regardes bien. Donc c'est qu'il en avait besoin. Il y a un moment donné, le cobaye, faut pas qu'il meure tout de suite. Ah, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Alors, tous les gens qui sont dans une spiritualité, qui cherchent le positif, tant mieux pour eux. De toute façon, que vous le prenez positivement ou que vous le prenez négativement, on vous enlève. Vous n'avez pas le choix. Tu n'as pas le choix. Exactement. Écoute, tu n'as pas le choix. Alors, il y en a qui vont dire, c'est pour notre bien, nous. C'est vrai. Ils vont dire, oui, mais nous, tu as vu ce qu'on fait avec les animaux, José, André, Yvon et Gilles. Nous, oui. Mais il ne faut pas comparer l'incomparable. On ne va pas se comparer avec un extraterrestre. Quand même, à un moment donné, il faut arrêter. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter. Lui, ce qu'il nous fait,
par rapport à nous, peut-être que nous, on mange, il faut bien qu'on se nourrisse quand même. Alors, qu'on est végan, végétarien ou qu'on mange de la viande, à la limite, chacun dit ce qu'il veut, mais c'est un choix. Oui. Que là, eux, ils ne nous laissent pas le choix. Aucun choix. Écoute, José, c'est excessivement intéressant. C'est un sujet qui était... on peut discuter longtemps là-dessus. Malheureusement, le temps nous file entre les doigts. Écoute, on pourrait continuer, c'est tellement intéressant. Écoute, on va s'il y a des commentaires qui vont par les auditeurs ou quoi que ce soit, on va en reparler. Alors, on t'invite le mois prochain. On t'a dit mes meilleures salutations, mon José. Prends soin de toi, c'est très bien, ton travail est très apprécié, on le voit dans tout, merci à vous, tout ce que tu fais. De m'habiter avec vous et si je suis là, c'est que j'apprécie aussi votre travail. Et je voudrais clôturer juste avec une note quand même, parce qu'il faut que je le passe juste deux secondes, parce que je sais que c'est la fin. Oui. Mais j'aimerais quand même rendre quand même un petit hommage à Donald Cyr, qui nous a quitté quand même il y a une quinzaine de jours. Et donc, c'est quelqu'un aussi que j'ai quand même bien connu, parce qu'il a écrit aussi avec moi un article dans la revue Lumière dans la nuit. Oui. Et puis, c'est vrai que j'ai collaboré quand même longtemps avec cet homme-là et j'avais quand même une affinité. Et c'est vrai que, ça me peine... Mais voilà, donc Donald, repose en paix, puis et on ne t'oublie pas, quoi. Nous non plus, on ne l'oublie pas, puis il est mort trop jeune, malheureusement. Alors, on lui fait toutes notre salutation. Ah, là, il sait qu'est-ce qui se passe, lui, ce qu'il a rendu, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais, c'est en plein ça. Sympathie pour la famille. Ouais, exact. Bon, mais merci, José, et on se revoit le mois prochain. On sortira, bientôt, on annoncera un thème, puis on en discutera. C'est toujours très intéressant.